avoir 20 ans. Ça fait 6 mois qu'est en appartement. Sur les murs blancs d'un petit troisième étage du Saint-Denis, est parti en voyage. Marie-Hélène a pourtant pas d'amant, juste des amis qui viennent de temps en temps fumer son pote, écouter sa musique. Marie-Hélène est une fille sympathique. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps. En mobylette, en métro ou à pied, Marie-Hélène traverse la société. Mais par hasard dans le mauvais pays, au mauvais temps, Marie-Hélène s'ennuie. S'ennuie de quoi ? Elle sait pas trop bien. S'ennuie de qui? Elle sait encore moins. En attendant, il y a eu 2 mois d'ouvrage, 1 mois d'études et l'assurance chômage. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps. Et sa 5e saison, et d'oublier les mots de le défi qui joue la nuit quand tout le monde est parti. Mais le défi, c'est déjà l'ancien temps. Marie-Hélène avait même pas 12 ans, et c'est si loin qu'elle ne sait plus par cœur. Et c'est tout ça qui fait qu'elle a si peur. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps.